Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 3 donc sur Baldur's Gate. On avait cette charmante femme qui a dit qu'elle allait nous égorger. Alors, ça manque peut-être un peu de délicatesse, mais je vais vous trancher la gorge. Quelle surprise de vous voir entrer ici avec cette audace. Je croyais que vous alliez me donner du fil à retordre vu la description. Mais qui suis-je pour mépriser de l'argent facilement gagné? Que le Seigneur des Ombres vous guide pestement vers votre mort. Je peux savoir ce qui vient. Hein. Je me défendrai si nécessaire. Vous voulez mourir, attaquez-moi. Vous ignorez la pitié, rien ne fera donc changer d'avis. Si c'est l'argent qui vous motive, je gagne. Oups. Qui je suis n'a pas d'importance. Mon nom est Nera. Je suis chasseuse de primes. Ok, allez. Pétez-y sa gueule. Et si possible avant qu'elle lance cette putain de sort. Ok, elle a emprisonné deux d'entre nous, trois d'entre nous, ok. Buter Imolène. Bon. Quel dommage que cela me soit complètement indifférent. Quand même de sauver Imolène, enfin de. On n'a pas assez pour la sauver, c'est ça le pire. Le groupe a acquis 300. Putain, la vache. Et maintenant, que se passe-t-il? Oui, bien sûr. Bon. Ah, ce sortilège est un petit peu long, mais. Ok, c'est bon. Alors, ici, bah, c'est le stuff d'Imolène. Et ici, armure plate. Quelque chose d'intéressant. Ok, on a des choses intéressantes. Et maintenant, où? On va voir pour ressusciter Imolène. J'ai combien? J'ai combien sur moi? 86, pas assez. Mais on peut revendre du stuff. On va voir pour ressusciter. Allez, on va recharger, on va espérer avoir plus de chance. Donc oui, donc évidemment, on revient oui, ici. Bien sûr. C'est fait. Attendez, Imouen, on va la mettre en fin de groupe. Ne vous approchez pas, citoyen. Ok, voilà, bon, suivi. Ça, on reprend. Ça peut paraître indigne, dame, mais je vais vous égorger. Salut pour ça. Elle est chiante avec son sort d'emprisonnement. Bon, lui j'en ai rien à carrer, donc à vrai dire, on s'en fout.
Oh là 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 là. Le seul problème de ce jeu, c'est que les combats durent des plombes. Allez. Oui. Quand même. Bon, on a qu'un mort et c'est pas le plus grave. Allez. Et maintenant, que se passe-t-il ? Puis-je vous aider ? Oui. S'il n'y a pas le choix. Alors. Ok. Bon, lui, il est mort, mais on s'en fout. Et maintenant, où une tâche voilà. Facile. Hop. Bon, il avait qu'un bâton, on s'en fiche. Allez. C'est fait. Qu'il crève, on s'en fout. Hop. Bon. Ici, on n'a jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. Allez, on va dormir. Et maintenant, que se passe-t-il ? Et maintenant, où ? Une tâche facile. On n'a jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. Voilà. Bon, d'accord, il n'y a que de la bière et de quoi dormir. On ne peut pas. Oui. On ne peut pas acheter de stuff ici. Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas avoir l'air de chercher la petite bête, mais pourriez-vous faire preuve de moins de méchanceté ? Ah, on veut jouer au plus malin. Arrêtez de déblatérer ou nous allons en venir aux mains. Ça commence à... Il commence à s'engueuler dans le groupe. Bon. Mes enfants, ils m'attendent. Bon, on se tire. Mais il est où l'autre ? Je sais qu'il y en a un avec son hamster là. Il a un hamster le mec. C'est fait. Plus loin alors. Il me semblait qu'il était dans les environs de ce truc là en plus. Mais si je pouvais l'avoir à la place du nécromancien à deux ronds, ce serait cool. Ne vous approchez pas, citoyen. Ah non, c'est une mort, ça. C'est pas lui qui nous intéresse. Mince, voilà. Alors, je suis d'accord, Bou, il a l'air gentil. Mes hommages, nous sommes... Alors, Bou, qu'on soit d'accord, c'est son hamster. Hein. Ils ont l'air gentils, mes hommages, nous sommes... Mince et Bou, nous sommes venus de loin pour explorer cette terre, mais ma protégée Dinahir a été enlevée. C'était des gnolls et une fois qu'on les aura retrouvés, je vais leur faire entendre raison de leur... je vais leur faire entendre raison en leur défonçant la tête jusqu'à ce qu'ils la relâchent, accompagnés
nous et les bardes chanterons les faits et gestes de Minsk et Bou et de leurs amis. Oh les cœurs, mes amis aventuriers, vous avez gagné la faveur de Bou, le seul hamster minageur géant spécial de tout le royaume, mon ami et compagnon. Depuis ma blessure à la tête, il va nous mener à la victoire. En avant vers la citadelle des Gnolls. Ne tardons pas, nous devons partir bientôt. Et on vire celui-là. Je sais pas si l'autre va se mettre à gueuler. Mais il y a de grandes chances. Et maintenant, que se passe-t-il? Et lui, c'est un méga tank. C'est un méga tank. C'est un rôdeur. Mais voilà, il peut porter 320 objets, donc il est... Puis voilà, puis il y a son hamster. Quand vous tâchez d'attraper Bou, il détale et mine ce que vous signifie d'un regard noir qu'il faudrait mieux ne pas y revenir. Voilà, donc on peut pas lui enlever son hamster. On va quand même lui donner une armure un peu plus décente. Et notre héros, ouais, visiblement, de toute façon, on peut pas. Attends, hop, voilà. Et puis, cadeau. Même si ça protège que dalle, visiblement. Bon. Et maintenant, où? On est parti. Une tâche facile. Maintenant qu'on a ça, et ben on va partir vers les mines de Naskel. On va essayer de vider ça, mais je... Alors les kobolds ne sont pas spécialement puissants. On devrait pouvoir y parvenir. Même étant tous niveau 1. Parce qu'il me semble qu'on est tous niveau 1, hein, qu'on soit bien clair. C'est exact. Ça sent la merde. C'est limite le donjon de Nullbuck là, mais. Je suis niveau 1. Bientôt niveau 2. Mais déconnez pas les mecs. Elle est niveau 6. Voilà. Et de toute façon, le donjon de Nullbuck est inspiré notamment de ce jeu. Hein. Il faut le savoir. Les mines de la... Et la forteresse Gnoll est ici. Donc on ira certainement. Passons aux choses sérieuses maintenant. On coupera un morceau. Les yeux. Visez les yeux. Bon, on va les laisser un petit peu faire. Oh non, mais sérieux quoi. What? Et maintenant, que se passe-t-il? Rivière devint rouge. Les yeux, il faut viser les yeux. On s'est attaqué par des gnolls. Normal. Oh, ça va, t'as perdu qu'un point de vie. Perds pas. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Mais bon, il est en fuite. C'est fait. Bon, on va récupérer le stuff. On va essayer de soigner Imolène. Faut vraiment qu'on lui trouve l'armure de l'ombre. Il y a une armure de l'ombre quelque part, je m'en souviens. Il me semble qu'elle est dans cette fameuse forge là que je cherchais. Mais et puis ça pour une voleuse c'est le top du top. Et maintenant...
maintenant ou c'est fait. Excusez-moi. Oui. Ok, et je sais pas où sont partis les deux autres. Facile. Non mais en fait c'est plus rapide par là. Allez. Hop. Est-ce que j'ai récupéré mon sort de guérison? Oui. Ok. J'ai eu une détection des êtres mauvais. Alors, et bien sûr, il m'a détecté Mantaron comme étant mauvais. Bon, bref. En plus, c'est pas ça que je voulais. Détection du mal, ouais. Et maintenant, où? Et hors de question d'essayer de dormir ici, hein. Dans les zones comme ça, intermédiaires, c'est impossible. Voilà. Par contre, on va essayer de faire une sieste ici. On y est arrivé, tant mieux. Oui. Ok, et on se dirige vers... vers la mine. Et on aura un magicien qui vaut le coup quand on aura fini la mine. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu descendre plus bas alors que je pouvais descendre plus bas. Ok, là il y a des kobolds. Bon, ça va, les kobolds, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dangereux. Je dois m'éloigner là. Pour la gloire d'âme. Oui, je le vais arrêter. Je m'excuse de vous déranger, mais vous devez savoir que vous êtes en danger. Il y a des monstres dans le coin, les monstres tête de chien. Je vous conseille de retourner à Naskel. Merci, nous tiendrons compte de votre avertissement. Nous sommes venus aider. Vous pouvez peut-être nous dire ce qui se passe dans le coin. Ça nous sera utile d'avoir davantage de combattants. C'est sûr, si vous voulez savoir où aller, je conseille le nord-ouest, les mines sont là-bas. Emerson vous dira peut-être qu'il n'a pas besoin d'aventuriers, mais ne l'écoutez pas, on a besoin d'un maximum d'hommes. Autre chose, eh bien, il y a ce type bizarre, je crois, qui se fait appeler Prisme. Il est en train de créer une sculpture sur une falaise, un dingue, si vous voulez, à mon avis... mon avis, à plus tard. Ok, j'ai jamais été voir ce personnage, même dans mes parties précédentes. C'est quoi ça? Et la rivière devint rouge. Bah, je sais pas ce que c'était, mais ça a pas fait mon feu.
Que se passe? C'est fait. Pas par là. Bah, il a dit le nord-ouest. Ah, doit être là les mines, je crois. Ouais, elles sont plutôt là les mines. Je sais plus par où on y rentre, hein. Sérieusement, ça fait longtemps. Ouais, non, ouais, nord-ouest, moi je joue au nord-est, moi, tout va bien. Voilà, bon, ils n'ont pas trouvé qu'il fallait faire le tour. Enfin bon. Bon. Ouais, à mon avis, c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, bon. Donc, et puis, faut, à mon avis, y a un passage comme ça en fait. Donc, parce que je me souviens plus, hein, depuis le temps, je vous le dis. Et bon, on est reparti par ici. Je dois avoir mon téléphone dans le coin pour pouvoir mettre un chrono d'une heure normalement, mais je ne sais pas où est mon téléphone en fait. Ah bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce jeu vous plaît. Bon, parfois un petit peu longué, hein, au niveau du gameplay, ça on est d'accord, mais voilà. Et là, bah, l'entrée de la mine, c'est pas là, c'est plus bas, je sais pas. Ouais, c'est là l'entrée de la mine. Ne vous approchez pas, citoyen. La permission à Hermes, à Emerson avant d'entrer dans les mines. Ouais, il est où Emerson? Emerson. Alors comme ça, vous voulez voir ma mine, hein? Ma foi, je n'y vois aucun mal. En fait, votre aide pourrait nous être utile.
Il y a des problèmes au niveau inférieur, là où nous avons perdu les travailleurs. Les hommes disaient qu'ils voyaient des choses bouger là-dedans, mais qui peut le dire? La terre recèle tant de secrets. Okay. Ne vous approchez pas, citoyen! Ah, voilà la nuit. Idéal pour surprendre le mal. Les gars, je vous souhaite bonne chance, quelle que soit la chose à l'origine là-dedans. C'est pas moi qui y ferai face. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ok, on y est. Oui, bien sûr. Attendez, niveau stuff là, parce que oh là. Oh là, je suis si fatigué. Ok, puis on a un fatigué. Ah non, c'est un homme. Ok. Alors, Mineur Gord, d'autres aventuriers, hein. À votre place, je partirai pendant que c'est encore possible. J'ai entendu des histoires terribles sur ce qui arrive à ceux qui descendent plus profond dans la mine. Ça ira, merci. Ah, c'est pas mon problème. Si vous faites tuer. Ok. Bon. C'est parti pour un des plus gros labyrinthes du jeu. Ok, c'est charmant, vraiment charmant. Une visite au jour glorieux, on n'en a pas beaucoup ici comme vous pouvez l'imaginer. Allez-vous descendre dans les mines? Pourriez-vous rendre cette dague à Kylie? Je l'ai laissé tomber quand il est descendu l'autre jour et je ne l'ai pas vu depuis, bien sûr. Merci infiniment. De Kylie, on va la mettre là, on va savoir, et je vais mettre quelques stuff à l'autre tank parce que sinon on n'est pas sorti. Je vais peut-être revenir à Nascal pour aller vendre revendre un peu de stuff parce que sinon Alors, je ne sais absolument plus où faut aller, hein. J'y vais à la chance, hein. Je vous préviens tout de suite. À mon avis, ça a l'air d'être par là, mais... Puis là, ça remonte et j'ai fait une boucle comme un con. Non, ça descend. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Allez, il va y avoir du fight. C'est fait. Ils arrivent, les démons... Plus partout, au secours. N'ayez pas peur, nous allons vous protéger. Oh, et la rivière se veut rouge. Ok. Bon, l'autre, non, on n'a pas pu le protéger, hein. Mais bon. Ah, des flèches, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on va faire plein de flèches ici. Après, le problème c'est que dans les mines, de toute façon, les flèches. Allez, on va suivre les rails, on va voir un petit peu. Et maintenant, où
sûr. Pour ceux qui ont péri. Passons aux choses sérieuses maintenant. Bon, on va tous remplir nos carquois parce que sinon ça va... D'accord, elle a pété sa dague en fait, depuis tout à l'heure elle est à main nue. Ah oui, il a une épée à deux mains lui. Ah d'accord, ok, tout va bien. On va peut-être mettre des flèches à tout le monde dans les carquois. Comme ça, ça va nous faire économiser de la place. Et puis de toute façon, ça vaut rien les flèches. Hein. Même en vente, ça vaut rien. Sa voix, Lotte. Oui. Et maintenant, que se passe? C'est fait. Attendez, on va juste reculer un petit peu, puis notre héros. Les trucs que je récupère mais qui sont assez inutiles, on est d'accord, mais c'est juste histoire, voilà, de... Ok, inventaire plein aussi. On va peut-être remplir tous les inventaires et aller vendre, comme ça on sera tranquille. Non, ça on garde. Pour une quête. Ouais, ça dans les carquois. Lui, il a rien dans son carquois, ouais. Mais... Ok. Ok, il y a du cadavre. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ma lame vous coupera en morceaux. C'est incroyable que vous ayez vécu aussi longtemps. Vos commentaires ne sauraient m'atteindre. Vous ne pouvez pas comprendre les liens qui m'attachent à vous.
D'accord. Ok, ici y a rien. Ils sont pas si dangereux que ça, hein, ces monstres. Vous voyez, parfois en une flèche on les a donc. On va pas s'embêter. Plus rien par terre, allez hop. Partir sur la droite, y a rien, ok. Donc ça va être ça, ça va être de l'exploration. Heureusement qu'on a la grotte, enfin la carte. Je crois que la sortie elle est là-bas de cette mine là, mais j'ai un doute. Dans mes souvenirs lointains. Enfin voilà, donc de toute façon ça va être l'exploration, hein, de la mine. De temps en temps, je regarde le timer, on est déjà à 40 minutes. Chaque fois que j'appuierai sur F6, je changerai de. C'est pas grave. Ok, donc ici, c'est un cul-de-sac. D'après moi, la suite est là-bas. On va voir comment ça se présente. Voilà, il est dirigé comme ça. Oula. Ça sent la blague. Quand ça se disperse comme ça, ça sent vraiment la blague. Voilà. Comment ils soient tous les six ensemble parce que. Il me semble qu'il y a. Il me semble que la mine est sur 6 étages. Et la rivière devint rouge. Sainte, je ferai votre tâche. Vous êtes une bien étrange personne. Moi, je m'en vais. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Eh, je clique dessus, faut qu'il y ait un cobalt dessus, quoi. Et maintenant, où une tâche facile. Ouais, bah, vas-y.
Même pas, t'es même pas dessus, c'est pour te dire. Un qui est en piteux état. Oui. Une tâche facile. De toute façon, on va pas tarder à saturer tous les inventaires. On va repartir, on va revendre tout ça. Ce qui va permettre, eh ben, simplement qu'on se fasse de la thune. Juste découvrir la prochaine entrée. Ouais, c'est ça, c'est ici. Bon. Il fait qu'on passe par là. Et ici, on a notre sortie. Et on se quittera là-dessus de toute façon. Sur le retour, là où je pourrais vendre, il y a certainement un endroit, Naskel, que j'ai raté et où je ne pouvais pas vendre. Je chercherai hors caméra, certainement, l'endroit où je pourrais vendre. Qu'en 2 minutes, on a encore un petit peu de temps, hein. Ce groupe là, c'est que ça s'engueule tout le temps. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ok. C'est fait. Et on remonte par là. Donc parfois, ils ont vraiment un problème avec le pathfinding. Mais là, idiot! C'est lequel? Bon, il doit bien y avoir un endroit où on peut vendre nos items. Ici, c'est quoi? Non, ici, c'est la garnison. C'est même pas la peine d'y penser, on va se faire engueuler. Là-bas.
C'est quoi ici? Taverne du dragon qui rote. Du dragon qui rote. C'est quoi ce truc? Une tâche facile. La bonne bière pour vous. Ouais, bah, j'espère qu'il voit pas que de la picole. Oh merde. Une tâche facile. Ah oui, bah oui, il y a le magasin de Narska. Bah oui, c'est bête, je peux vendre ici, je le sais. Allez. Ok, allez, c'est parti. Là, on a de quoi vendre. Les anneaux et tout ça. Bon, les épées, ça vaut presque rien, mais bon, beaucoup de choses font rien, ça rapporte quand même. Savourer la musique. 200 pièces d'or, ça commence à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'acheter pour 300 pièces d'or? Au niveau des armures, pas grand-chose déjà, malheureusement. Flèches ont ce qu'il faut largement. Des armures feuilletées pour ceux qui n'en ont pas encore, mais déjà je pense qu'Imolen ne peut pas en porter. Mon taron, il est sur le point de crever, mais ouais, bon, ouais, tiens, bon, déjà ce que t'as. Ok. Retour rapidement du côté des inventaires. Ici, il n'y a pas grand chose. Je pouvais pas vendre le bouclier. Faut voir. Armure feuilletée. Ici, elle a une armure cloutée, elle peut pas porter mieux. Et lui, lui, mon taron, bah, va quand même pouvoir le mettre autre chose. Épée à deux mains aussi. Une épée à deux mains, c'est plus efficace qu'une épée bâtarde. Ceux qui peuvent emporter en vont emporter. Et toi, tu te prends en plus une armure feuilletée. Ok, toi ça, hop. On va voir ce qu'on va te mettre à la place. Bah je sais ce que je vais te mettre à la place, t'en fais pas, hop. Tu vas prendre ça. Ah oui non, c'est une épée à... c'est une épée longue, elle peut pas porter d'épée longue. Bien sûr j'ai vendu toutes mes épées courtes. Bon, ça fait rien. Bouclier équipé, bah oui, bah... virer ton bouclier, c'est tout. Hop.
un écu avec. Ça. Je prends. Ok. Excusez-moi pour la toux. Une épée longue également. Sauf que tu vas garder l'épée à deux mains, s'il te plaît. Ensuite, je regarde au niveau des casques également. Il y a les trois premiers qui ont un casque et les autres non. Ok. Flèche, oh, tu me dis pas qu'il va pas te manquer une flèche, toi. Si, Molène. Ouais, une Molène a presque plus de flèches. Hop, voilà, comme ça, c'est fait. Mes prix sont les mêmes entre la pénurie de fer et tout le reste. Les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Ouais, non, ça c'est une identification, ça sert à rien. L'armure en cuir, les épées longues. Ouais. Ouais, on est obligé de. Ok. Ouais, bon, ça tu la jetteras ton arme brisée parce que sinon. Ok. Allez, tout le monde dehors. C'est fait. C'est l'auberge, hein. Ouais. Ok, allez, loué. Oui. Encore une fois. Merci beaucoup. Bah écoutez, de toute façon, on va se retrouver devant la mine. On se retrouvera là-bas. Et puis, ben, sur ce, ben, je vous dis à bientôt.